Salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous aurez compris, on va jouer aujourd'hui à Verali. Ça va recommencer. On va jouer aujourd'hui à Sega Rally, pardon. Sur la Game Boy Advance. Un jeu que j'ai acheté sur la Game Boy, que d'ailleurs j'adorais à cette époque. On est jeune, donc du coup. Pourquoi j'ai joué à ce jeu? Tout simplement, c'est simplement parce que le jeu, je trouvais pour une Game Boy, c'était assez extraordinaire. C'est d'avoir de la 3D sur une petite console portable. Enfin, à l'époque, c'était assez monstrueux. Alors effectivement, il y a eu Verali 3 à côté qui était beaucoup mieux fait que ce jeu-là. Mais Sega Rally avait à côté plutôt fun. Et puis surtout, très nostalgique, évidemment, de cette musique. Alors, on va aller dans le mode option pour commencer. Donc, on va voir les petits game settings. On peut changer donc la vitesse en km/h ou en miles par heure. On peut changer une vue du pilote de l'arrière. On peut changer le replay en dynamique ou en statique. On va le faire en dynamique, peu importe. Si on veut une voiture fantôme ou pas. On va faire le bouton. Voilà, on a plusieurs possibilités. Donc on accélère avec le bouton, on freine avec le bouton B. Attention à ne pas se faire avoir, hein, parce que si on correspond à une manette de PlayStation par exemple, c'est l'inverse. Du coup, c'est comme si on freinait avec rond. Et qu'on accélère avec. C'est comme si on accélère avec rond et qu'on freine avec X. D'ailleurs, c'est un petit peu le. À la japonaise, on va dire. Type B, bon voilà, on peut changer les vitesses avec les boutons, inversement, etc. On va garder par défaut. Et là, une partie que j'aimais bien quand j'étais gamin, c'est la BGM. Donc on peut dire oui ou non, si on veut la voice, etc. On va faire des sound tests. La musique que vous connaissez bien, donc c'était vers celle-ci. Ça, c'est la musique de Sega Rally que vous avez dans les bombes d'arcade. Bon, ça. C'est le menu. Vous allez sûrement reconnaître certaines musiques venant du 2 ou du 1. Alors ça, je reconnais pas spécialement. Ah si. Ouais, elle est pas très connue, mais bon, elle est bien. Ouais, ça décroche quand je chante, parce que je chante pas assez fort. Mais ça est aussi connu. Celle-là est très connue aussi. Après, en musique, on n'en parlera pas plus, puisque de toute façon, on va jouer. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est quand on finit. Ça, je m'en souviens plus. Rien. Alors c'est la Game Boy Advance et franchement je trouve que le son, même s'il est un petit peu dégradé par rapport aux musiques, la vraie musique, c'est pas trop mal hein, sincèrement ça rend plutôt bien. Bon ça ressort un petit peu mufflette comme si c'était en mono, c'est un peu bizarre. Alors ça c'est son voiture. On a le voice test aussi, j'ai oublié d'en parler. Ça, vous allez en manger souvent, surtout avec moi, parce que je suis assez mauvais. 3, 2, 1. Bon allez, on va s'amuser avec le son. On va directement commencer. Alors je vous propose de commencer par un time attack. Histoire de montrer à quoi ça ressemble. Vous avez pu voir l'introduction qui est en 3D avec les sprites 2D de la voiture. Alors on a le désert, le snow, le désert, la montagne et le village. Sachant qu'on a plusieurs spéciales évidemment sur chaque secteur. On va commencer un petit time attack sur le snow. On a plusieurs voitures, donc on en a plutôt pas mal. Hein. Si vous vous souvenez par exemple, Sega Rally, on avait que 3 voitures. On avait la Delta, la Celica et la Stratos. Dans le 2, on en avait beaucoup. Et là, on en a pas mal aussi. Vous allez voir, donc on a Mitsubishi Lancer Evolution 7. On a l'Impreza WRC, on a la Corolla, la Ford Focus RS, on a la 206 WRC. Et pour le moment, c'est tout. Mais on va débloquer certaines voitures, vous inquiétez pas. On va prendre, pourquoi pas l'Impreza, hein, voilà. On est prêt. Alors, on peut voir. Alors ça, c'est très Verali 2, hein, au niveau de la présentation derrière. Pourquoi j'ai Verali 2 ? C'est Verali 2. Donc, on peut changer les paramètres de la voiture. Donc, on peut choisir la transmission. Le gear ratio normal, suspension, steering, brake, assez classique j'ai envie de dire. Mais au moins on peut le faire, donc ça c'est bien.
et on va directement commencer un rallye. Alors attention à la bouise pixel, évidemment c'est assez dégueulasse. Alors chez moi c'est inversé. C'est-à-dire que je vous ai dit que c'était B et A, mais en fait moi c'est A et B. Bon alors là ça glisse pas mal. Donc vous allez voir que je suis assez mauvais. Oh non! Alors ils ont repris les voix, ça c'est cool. Alors on peut changer je crois les voix entre l'homme ou la femme, je sais plus. Mais je crois que non, on peut pas en fait. Alors vous voyez c'est une bouée de pixels sans nom, c'est beaucoup moins propre que V-Rally 3 par exemple. Mais en termes de sensation de vitesse, alors il faut s'imaginer devant une console, devant la console portable hein, avec un tout petit écran. Sincèrement sur un petit écran ça rendait vachement bien. Là c'est assez dégueulasse. Alors là, on va freiner. J'arrive même pas à gérer le virage. Donc si tout le reste en 3D hormis les sprites comme par exemple les spectateurs ou les arbres, les spectateurs qui sont plutôt géants par rapport à la voiture si vous comparez, on a la voiture qui est en deux dimensions. Ça semblait logique, fallait pas trop rêver. Mais au moins on avait voilà un jeu assez fun en 3 dimensions. Le fini est genre une 10. La musique de fond qui est hautement celle du 2 je crois. Par contre c'était assez dégueulasse. On a droit au petit replay. Alors je me rends compte que l'écran il y a un tout petit peu rétréci sur le bas mais c'est vraiment léger. Ça ne ressemble pas beaucoup au replay. Alors soit le jeu a planté, soit je sais pas. Non, on a eu le jeu a planté. C'est bizarre quand même. Bon attendez, quittez pas. On va relancer tout. On va faire hop là. On va faire reset. C'est pas grave. Le jeu a planté mais on va faire ça. Présenté par Sega évidemment. C'est... À l'époque c'était déjà bizarre, hein. Bon c'est vrai que là. On est en 2002, hein, donc Sega, ça faisait pratiquement un an qu'ils avaient fait pas faillite, hein, mais qu'ils avaient arrêté la vente des consoles Dreamcast. Et du coup, voir un jeu Dreamcast, un jeu Sega sur une console Nintendo, ça piquait déjà à l'époque. Là, beaucoup moins, on a l'habitude maintenant. Alors, on va faire un championnat. On a l'Amateur Cup, pour l'instant, on a que ça, hein, donc je suis obligé de la réussir pour passer à la suivante. Alors on pourrait prendre par exemple une 206, pourquoi pas, en automatique. Je suis pas très bon en manuel, donc c'est pas la peine, je préfère automatique. Et on va essayer de faire au mieux, donc le but, c'est toujours pareil comme dans tous les Sega Rally. On part dernier, et il faut remonter tout le monde. La seule difficulté évidemment, c'est que eux, ils sont en même temps sur la piste que nous, donc il va falloir les éviter et les passer le plus rapidement possible, voilà, comme là par exemple. Alors j'ai tendance à y aller comme un bourrin, ce qui n'est pas du tout le but en fait du jeu, hein. Il faut vraiment... Par exemple il y a un gros virage, il faut un peu ralentir, voilà ici. Hop, et encore j'ai plutôt bien pris. On a la gestion évidemment, voilà, des montées et des descentes, la voiture peut sauter, même si c'est très très mal fait. Alors là vous voyez la bouille de pixels, c'est assez scandaleux, hein. Attention, j'espère que vous n'avez pas de migraine, vous n'êtes pas malade en ce moment, parce que sinon vous allez dégoubiller. Pour le moment ça va, on est dans une piste assez large, donc c'est plutôt facile de dépasser, enfin d'éviter les concurrents. On est 10e d'ailleurs. Alors j'ai fini avec 45 secondes d'avance, mais vous voyez le stade est très court, donc je suis une 10e, mais ça ne veut pas dire que je suis vraiment en avance par rapport au temps final des courses cumulées. Alors les musiques sont très redondantes, vous allez voir, c'est très chiant en fait quand on écoute que ça en boucle. Là par exemple on est dans la montagne. Au niveau des car settings, je pourrais m'amuser à me dire je mets en gear ratio en low, par exemple. Faire exit. Ouais, parce que je vois qu'il y a beaucoup de virages, donc je préfère privilégier la relance, on sait jamais. Et en fait, vous voyez que finalement, on est sur de la terre alors qu'on avait plus de tarmac, c'est un petit peu bizarre. Voilà, et en fait, le tarmac il commence ici. Alors c'est un jeu que j'ai jamais fini, hein. Autant j'avais le jeu, autant c'est pas pour ça que je l'ai forcément fini. J'ai plutôt avancé, enfin je me souviens j'étais arrivé au 4ème mode difficulté, au 5ème, je sais plus. Et c'était cool. Après j'ai arrêté parce que c'était vraiment dur. Hein. C'est un jeu
Ça paraît facile au début, mais il faut vraiment connaître les pistes par cœur, et le fait de ne pas y voir grand chose, bon, sauf en petit écran où c'est un peu plus visible. Ah, je me suis trompé, j'ai freiné avec la mauvaise touche, du coup j'ai perdu plein de vitesse. Heureusement j'ai une grosse accélération, ça au moins ça va m'aider. Mais là on est à fond, mais l'avantage c'est qu'au moins avant, mais je prends tous les virages bien. Donc je perds pas trop de temps. On est bloqué à 218 km/h. Je me suis encore trompé pour prévenir. Dépassé. On est 7ème. Alors normalement il y a 4 manches, donc 7ème je pense que ça va. Il me semble que ça va. Il fallait qu'on soit 6ème. Après c'est le niveau facile, hein, c'est pas le plus... On débloque des choses aussi, vous allez le voir un peu plus tard, enfin je pense qu'on va peut-être débloquer quelque chose dès là, mais on débloque des photos, enfin un petit screenshot, je crois qu'on débloque aussi des voitures évidemment. Donc là par exemple on est au village, on va garder la configuration qu'on a là. Cette fois-ci j'ai aussi pu me tromper dans le freinage. J'aurais limite préféré qu'ils affichent un circuit sur la droite par exemple. Comme ça on aurait pu savoir où on était par rapport au tracé. Parce que là effectivement c'est en 3D, mais quand on voit le clipping énorme qu'il y a devant nous, c'est vraiment violent quoi. Et là par exemple. Bon, pour l'instant on est pas trop mal. Bon, c'est vrai que je suis brûlé en vitesse de pointe, mais quand même. On rentre dans la forêt. Alors les tracés sont assez... Bon, on peut pas dire s'ils sont intéressants ou pas, c'est assez compliqué de déterminer ça à ce niveau-là, mais... Bon, ils ont quand même leurs difficultés, surtout quand on va monter dans les championnats, où ça va être des cours plutôt serrés assez souvent. Par exemple, j'ai freiné, ça a pas super bien marché. Mais au moins, ils sont bien chargés en item, en personnage autour, il y a pas mal de décors différents sur le même tracé, c'est plutôt bien. Là par exemple on est 4ème, c'est-à-dire que dans le spécial de Snow, vu que c'est la dernière, il va devoir falloir... c'est bien, il me faut automatiquement, moi j'avais pas fait gaffe, gear ratio... Oh non, je vais le mettre en low. Attendez. Ouais, slow, suspension, on va laisser comme ça. On est à la dernière course, donc du coup, là ça doit terminer notre position d'arrivée finalement. Est-ce qu'on va terminer 4ème, 3ème, 2ème ou 1er? Allez, c'est parti. J'ai jamais su s'il y avait un super départ aussi, au passage. Ouais, là je perds du temps. On va essayer de dépasser la Stratos. On a reconnu l'ancienne Stratos quand même. Plutôt un miracle. Wow. Bon, moi on sait qu'on va terminer sur le podium pour le moment. Peut-être même deuxième en dépensant la Lancia Delta. Chef intégral. Et maintenant il reste le premier à battre, mais je pense que le premier on va pas être assez bon. Quelque chose me dit qu'on sera pas assez fort pour le dépasser. Vous voyez, par exemple j'ai freiné, mais ça a pas beaucoup marché hein. J'en ai plutôt bien pris parce qu'on n'a pas trop perdu de vitesse. Attends, ouais, on va le doubler, on est premier. Oui, les spéciales qui sont assez courtes et finalement on va gagner. Oui, les spéciales durent 54 secondes, 1019, 1005, 1003. Mais ce sont les premières spéciales, donc c'est normal qu'elles soient assez courtes. On a droit à une jolie, si on veut, petit podium sympa. Alors par contre je reconnais pas le son du... Enfin la musique de fond du ranking, ça c'est pas du tout pas du tout le même. Donc on a fini premier. Donc on gagne 60. Voilà, le taille est là. Et on peut être dans l'extra ici, vous allez voir. Et on peut récupérer... Par exemple, payer pour faire une course, une Sprint Cup. On peut acheter des courses, des voitures. Vous voyez par exemple la Stratos c'est 300.
la Delta, la GT4, la GT4. On peut acheter des images dans la galerie ici, voilà, si on veut. Bon, les images sont de qualité assez exécrable. J'ai vite envie d'en acheter une pour vous montrer à quoi ça ressemble. On va prendre par exemple, ça c'est Sega Rally 2. On va prendre, celle-là. Et du coup maintenant quand je vais dans la galerie, ben voilà, j'ai ma petite image. Et voilà la résolution, ce que ça donne une résolution de Game Boy Advance maximum. Ça n'a pas grand intérêt. Mais au moins, on va faire du RC Rally. Alors RC Rally ça me coûte 10 et ça me permet de récupérer de l'argent, vous allez voir. J'en ai récupéré 23. Donc du coup, ça m'a coûté. J'ai gagné des jetons puisque j'ai gagné autant que de crédits dépensés. Alors enfin une dernière. Alors là j'ai un peu merdé, j'ai un peu chié dans la colle. C'est foiré. J'en ai beaucoup moins, mais j'en reste 21. Je peux faire ça en boucle si je veux pour avoir le plus possible et déjà débloquer une voiture. C'est un petit peu ce qui est dommage d'ailleurs, parce que vous vous rendez compte que c'est assez facile. Finalement, une fois qu'on a compris le coup, on tourne en rond et on débloque plein d'argent. On va faire un petit championnat. On a toujours l'Amateur Cup pour le moment. Donc ça serait bien de débloquer un autre championnat. On va débloquer la Sprint Cup, voilà. Et la course, on peut débloquer, voilà, la Sandstorm, la Forest, l'Island, alors on n'a pas assez pour le moment. Mais on va faire en championnat, on va faire la Sprint Cup. Il va être beaucoup plus compliqué. Je vais changer de voiture, on va prendre... Voilà, Corolla, je l'ai pris dans Verali, donc on peut tout éviter. Une Mitsubishi, une Ford, allez, c'est parti. Donc là, on est dans du 1000 car setting, et j'ai toujours envie de mettre le ratio bas, parce que vous voyez le nombre de murs que je me prends par course. Il vaut mieux que la voiture accélère vite, sinon on va avoir du mal. Allez, c'est parti pour le rallye, sur l'île. C'est qu'au niveau nom, ils se sont pas spécialement inspirés entre le rallye de l'île et le rallye island. Ah ouais, par exemple là sur la piste, vous allez plus en rendre compte. Je suis sorti un petit peu de la piste, hein, je suis trop large, mais en fait il y a un mur invisible alors que j'aurais pu aller dans l'eau ou ce genre de choses. Un petit peu dommage. Par contre, ça me choque pas trop dans le sens où voilà, ça reste un jeu sur Game Boy Advance et il vaut pas nous niveau possibilité, on va plutôt être réduit. Alors là j'ai bien freiné, on va accélérer Mikamono, mais bon, j'ai plutôt bien pris. Et voilà, il faut se mettre dans le contexte, hein. Sincèrement, en 2002, la PSP elle est pas encore sortie, hein, parce qu'elle est sortie en 2005. La DS en 2004, donc deux ans encore plus tard. Voir ce genre de jeu, c'est super impressionnant. Le jeu 3D sur Game Boy Advance, c'est vraiment énorme. Voilà, on est 10e je crois. Ouais, donc c'est pas mal. Si on est 10, 7, 4, on est en position pour pouvoir au moins gagner la course. Ah, j'aurais dû régler mes trucs là, j'ai oublié. Allez, c'est parti. Les musiques sont super, hein. Franchement, c'est vraiment, je trouve, un des points forts du jeu. Alors, il y a beaucoup de défauts, hein, évidemment, voilà, le clipping est super élevé, le fait que c'est super pixelisé, les chocs, enfin, pas mal de défauts dans le jeu, mais ça reste quand même un très bon jeu, hein. C'est des défauts qui peuvent pas, on peut pas trop blâmer d'avoir ce genre de défauts sur une Game Boy Advance, quoi. Mais V-Rally 3 fait beaucoup mieux. V-Rally 3 est quand même bien meilleur que V-Rally. Et ça reste un jeu sympa, enfin je veux dire, si vous aviez reçu ce jeu, je pense à l'époque sur Game Boy Advance, je pense pas que vous vous sentiez arnaqué. Enfin, en tout cas, ça peine tous les bons cas parce que je l'ai même acheté.
contre, je sais plus combien il avait été noté. Je crois qu'il a été noté 14, quelque chose comme ça. Ouais, le jeu a reçu plutôt une critique positive. Bon, pas exceptionnel évidemment, mais au moins correct. Et c'est de toute façon l'avis, enfin, moi je m'en suis fait, c'est que le jeu est correct. Il n'est pas extraordinaire, mais il est bien. On est 7ème, donc pour l'instant on est dans les clous pour peut-être gagner le championnat. Ah, il nous met carrément le. Ah, je reste en lot. Hein. Ah, je prends pas de. Ah, pourtant celui-là. Il y a une ligne droite. Ouais, mais non, je tente pas le coup. Allez, c'est parti. On a un chameau sur le côté. Oui, c'est assez large. Ah, par contre, ça va d'un coup se retrécir. On l'a bien pris. On le pif-paf gauche-droite. Voilà, je touche un petit peu par contre. Alors, évidemment, pour se refaire passer pour les voitures, hein, si on perd trop de temps. Waouh! Il y a des fois le commentateur qui est au taquet, quoi. Vraiment. Voilà, on a plutôt pas mal passé. Oui, on a quand même évidemment des temps limités, hein, 67, 70 secondes. Et au fur et à mesure des coupes, quand c'est de plus en plus difficile, ben on va arriver de plus en plus proche du temps maximum avant d'être éliminé. Et de souvenir, je crois que la 4ème ou 5ème coupe, j'étais time out. Time out parce que c'était vraiment compliqué. Ah! J'ai trop tourné. Ouais, c'est des fois difficile aussi par rapport à notre gabarit de savoir si on est bien ou pas. J'étais super mal. Bon, on est 4ème, donc ça, on va dire que ça peut aller. Je crois qu'on est à l'arrivée. Il me semble. Voilà. Bon, je trouve qu'il aurait pu y avoir un petit effort de fait sur la voiture. Il manque beaucoup de sprites, enfin de côté de sprites en fait, parce que vous avez compris que c'était pas la 3D. Pour que ça rende un peu mieux, surtout sur les replays, ça se voit vraiment quand on a la voiture qui roule comme ça et que la piste elle est légèrement décalée. Ça fait vraiment bizarre, c'est comme si on avait une vue profil. Alors, je sais pas comment expliquer, enfin vous le verrez dans le. Je pense que vous l'avez vu dans le premier replay. Au début de la vidéo, vous comprenez ce que je veux dire. Village, on va garder le ratio l'eau et on va faire OK. Et il neige. Et on est de nuit. Je suis de me concentrer, j'ai mon coéquipier qui va me repasser. Ah là, je perds du temps, hein. Je suis pas du tout. Alors lui par contre il sort de la piste, ça lui fait rien du tout. Là par contre ça fait mal aux yeux. Ouf, c'est le passage là, il y a beaucoup de. Ah, bah, je suis à 10 secondes. Hein. On va dépasser la Delta pour la troisième place. La deuxième place, pardon. Ah ça va être chaud parce que j'ai perdu beaucoup de temps au début. Ça fait mal à la tronche, c'est. Les flocons de neige sont ignobles. On devrait pouvoir rester devant. Bon, pour l'instant, vous voyez, c'est quand même plutôt facile. Hein. J'ai pas mal d'erreurs. Je suis quand même premier. Et voilà. Donc là, on a réussi à remporter le deuxième championnat. Mais c'est un stand qui a été plus long, vous voyez, 1h21. Et là, en moyenne, on a gagné 5 à 6 secondes sur les temps spéciaux. Congratulations, new place first. On a battu Sega. Sega c'est moins fort que moi. Allez, 100 de plus, donc on a 144 crédits. Et donc avec 50 crédits, c'est pareil, on continue, on va dans l'extra, dans le shop, et on va débloquer la National Cup. Au niveau des cartes, bon, on a toujours 3 à débloquer. La galerie pareil, on peut débloquer les courses si on veut. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer pour le RC Rally, on a vu, regardez, on en a deux. Et là, c'est limite du...
On s'appelle du drift, quoi. Il fallait plus que ça en plus. Bah, je te suis, hein. Voilà. Ouais, c'est un petit peu changé cette fois-ci. On a gagné 20. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va faire une petite course. Peut-être un time attack, je sais pas. Avec une voiture. On va aller sûr de voir un petit peu les autres circuits, National Cup. On va prendre. Il y a une Mitsubishi cette fois-ci. Automatique toujours. Toujours la Sandstorm pour le moment, donc on va garder le ratio. On va faire comme ça. On va rester comme ça. C'est le même chameau au même endroit. Hein. Je crois que c'est la même course d'ailleurs, sauf qu'il est demi. Oui, en fait, je dis. En fait, il y a 3 voitures à doubler quasiment par spécial. Donc, si vous n'arrivez pas à en doubler plus de 2, vous êtes en retard, ça c'est sûr. Alors, par contre, j'ai jamais ressenti de différence entre les voitures. Savoir si une voiture est plus mieux que l'autre. Vraiment aucune idée. Je crois qu'il me semble que les 3 modèles qu'on débloque sont plus rapides. En vitesse de pointe. Par contre, la maniabilité, pas forcément mieux. Ouais, j'en ai doublé une. Regardez où est allé, hein, carrément sorti du truc. Un doublé plus. Et je me suis pris le mur. Ça me faisait penser qu'un jour il faudrait que vous fassiez un jeu de Game Boy, même pas de Game Boy Advance. Puisque c'est un jeu de Formule 1, mais façon 3D quoi, façon jeu de console, enfin c'est. Vous allez voir que c'est assez drôle. Par contre le jeu il va être fond, piquer les yeux, je pense qu'on mettra pas l'écran à fond. Et vous voyez par exemple là j'ai pas doublé le troisième, donc ça veut dire que je suis en retard. Du coup il va falloir rattraper tout ça, donc ça va être un peu compliqué. Allez, en fin d'année rallye. Par contre je vais mettre en l'eau comme d'habitude. Start rally. J'ai pas eu le temps pendant le tunnel. Nanana. Alors évidemment la console là n'arrive pas à faire un son suffisant pour que cette musique soit intéressante hein, par contre. On perd tout le fond sonore qui est vraiment est assez épique. Et quand il dit oh no. Ah, je vais me concentrer, voir si je peux remonter à la 7ème place, mais ça va être trop compliqué. Hein, ça. On va aller voir un 9ème. Peut-être qu'on va le passer. Non, faut qu'on reste devant. Et voilà. Donc là, je l'ai passé de justesse, mais j'ai toujours une place de retard. Bon, bah écoutez, on va se cesser là-dessus. Je pense que 29 minutes puis une demi-heure, c'est plutôt pas mal pour ce jeu. De toute façon, il n'y a pas grand-chose de plus à voir. À part réaliser cette musique en boucle. Voilà, donc c'était Sega Rally sur Game Boy Advance. Donc un jeu qui est pas mal pour l'époque. Bon, maintenant ça pique les yeux, mais bon. Si vous cherchez un bon jeu de course sur Game Boy Advance, sur votre vrai Game Boy Advance, je peux vous conseiller Vers Rally 3 et ce jeu qui est plutôt bien. Il y a d'autres jeux, dont on parlera peut-être un jour sur la chaîne. Mais il y a quelques jeux, il n'y a pas tant que ça des bons jeux de voiture sur la console, et lui il en fait partie, plus ou moins. Voilà, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. J'ai à bouger l'écran évidemment.